Je vois pas de méchants. Miles et Ganky se sont peut-être trompés. Ok, je suis au pont. Mais aucune trace de nos enragés du safari. Oh non. Pourtant, on était sûrs. Désolé pour le plan foireux. T'inquiète, on les trouvera. Non, sérieux, les gens sont dégueulasses. S'il te plaît! Où votre boss à crinière trouve ce genre de gadget? Un véritable chasseur sait comment se camoufler. Oui, mais est-ce que c'est un bon chasseur? Libérez-moi! Faites descendre l'araignée! Chef en Nelly et Gazan. Voyons ça de plus près. Ça me conduira peut-être à des réponses. Allez, vas-y, mon poulet. Montre-moi ton nid. Les courses-poursuites vont me manquer quand je serai à l'Émilie May. Cette adrénaline, les courses d'obstacles à travers la ville, je m'en lasserai jamais. Dire que je vais faire de la vraie science pour un vrai salaire. Non mais c'est fou, j'y suis arrivé. J'ai une carrière stable. Ok, Parker, du calme. On va fantasmer plus tard sur tes projets scientifiques. Chasse. Wow ! Un Requiem ! Il est en état de marche ? Tu ne m'échapperas pas! Non! Sympa le camouflage! Je peux jeter un coup d'œil sous le capot?
Je prends ça pour un nom. Et deux camouflages. Je me demande si ma tenue réussirait à identifier leur fréquence visuelle. Ils nous testent! J'ai pas aperçu votre chef! Où est-ce qu'il se cache? J'aimerais bien lui toucher deux mots sur ses choix de vie! Tu n'es pas digne de son attention. Mais Scorpion, oui! Ok! Vous savez, j'ai pas grand-chose contre Gargan. Je dis juste que je lui ai mis 2-3 raclés. Pourtant, t'as toujours retenu tes coups. Pour ne pas le tuer! Bah ouais! C'est ma marque de fabrique, ça! Alors, où est votre chef? Encore un robot? Je peux peut-être tester un truc. Ok. Alors... Désolé, poulet. C'est peut-être gênant pour toi, mais ça l'est tout aussi pour moi. Il devrait y avoir une... Ah, ouais. Ah. C'est ta maison, ça. Oh non! Allez, poulet, lâche-moi! Allez! Ah, tu vas pas faire partie du voyage! Je vais envoyer la localisation à MJ. On trouvera peut-être des infos sur ce bâtiment. Où est-ce qu'on va? T'as reçu l'emplacement que je t'ai envoyé? Ouais, c'est un ancien marché. Propriétaire décédé, il a été vendu il y a quelques semaines. Attends. L'acquéreur? C'est une société écran qui rachète des propriétés partout dans la ville. Genre des immeubles entiers. Je voulais en faire un article le mois dernier, mais je manquais de preuves. Tous les témoins que j'ai pu contacter ont... disparu. Hé, vous deux, allez vous rendre utile. Le départ est imminent. Qui sont ces gens? Je vais le découvrir. Bonne chance. Je dois les neutraliser discrètement. Et le reste des chasseurs? Leurs affûts sont en place et les canaux opérationnels. On est parés. C'est un beau terrain de chasse, cette ville. Il faut que j'arrive à en éloigner un. T'as pas perdu de temps? T'as trouvé quelque chose? Deux choses. Ce groupe armé se fait appeler les chasseurs, et ils viennent d'un peu partout. Des mercenaires internationaux? C'est ce que je pense. Tu tiens peut-être un sujet qui pourrait finir en première page? Je bosse dessus. Merci. Oh, et vu qu'on parle boulot, j'ai accepté l'offre d'Harry. C'est fantastique! On devrait fêter ça, quand t'auras fini ce qui t'occupe en ce moment. Carrément. Ciao! La connexion est bonne. Les générateurs dans le verre, la base, ok.
confiance. Deux affûts qui ne répondent plus. Et l'araignée a été aperçue dans votre zone. Préparez les chiens. Oui, Kraven, tout de suite. Kraven, c'est leur chef ? Dis-moi, où est-ce qu'il t'a recruté ? En Alaska. Pour foutre un braconnier dans les bars, mais... à mes employeurs, j'étais un peu trop brutal avec eux. Les crétins. Au bout du sixième incident, ils m'ont filé ce qu'ils appellent un congé autorisé. Alors j'ai foutu le feu à leur bureau. T'es un marrant, toi. Après, je me suis retranché chez moi et j'ai attendu qu'ils viennent me chercher. Mais c'est Kraven qui s'est pointé. Il m'a demandé si je voulais chasser du vrai gibier. Et me voilà. Eh ben, t'es un bon petit gars. En douceur. Une vidéosurveillance de l'affût où je viens de passer. Il y en a d'autres apparemment. Et partout dans la ville. Je vais envoyer ça à Genki. Ça devrait l'aider à les localiser. Que chasse Kraven ? Et pourquoi ? Toi aussi, t'as faim ? Chut. Oh, c'est pour moi ? C'est trop, fallait pas. Robuste et souple à la fois. Je me demande... Cool. C'est le moment de sortir mon nouveau jouet pour un tour d'essai. Les bases alentours sont connectées. Derniers affûts sécurisés, choc camouflage opérationnel, RAS.
aéronef, drone rapace, munitions, provisions. Il manque encore des cargaisons. Je vais devoir rendre une petite visite au fournisseur. Mais à part ça... Ils ont l'air mieux équipés qu'une armée entière. Ce Kraven doit être riche. Ou avoir le bras long. Ou... les deux. N'attendez pas à ce que Kraven s'intéresse autant aux plantes. Avec ce qu'il a dans ses étuis, il aurait dû sauver un chasseur qui était sur le point de crever. On peut dire qu'il s'encombre pas avec les carcans de la médecine moderne. Ça explique beaucoup de choses. Comment ça? C'est pas possible d'être fort comme ça. C'est pas normal. C'est parce qu'il est concentré. Il y a que la chasse qui compte pour lui. Peut-être que si tu te concentrais sur toi plus que sur les autres, tu l'égalerais sans problème. Si tu le dis. Tu m'as jamais dit sur qui tu avais parlé, en dehors de Volgograd. Son nom ne mérite pas d'être prononcé. Je croyais que sa jeunesse lui donnerait l'avantage. Et il avait passé toute sa vie là-bas. Un vrai expert du pistage. Ouais, ça se défend. Mais c'est son âge qui l'a desservi. Il a perdu patience. Contre un adversaire qui n'en manque pas. Tu penses qu'un autre chasseur oserait défier Kraven ? Il faudrait être inconscient. Regarde cette ville. Kraven nous a offert la meilleure chasse de notre vie en venant ici. Avant, on était perdus, mais là... on est vraiment sur la terre promise. Ça, c'est bien vrai. Bonne nuit. Sentinelle. Rien de suspect. Que quelqu'un se rende sur place. On a peut-être un intrus. J'y vais. Ils sont pas là. On a un intrus. Allez, on va le choper. On a perdu trop d'hommes. Tous avec moi. Bonne nuit, les petits. Trouvez-le avant qu'il nous décime.
Tu devrais faire attention, Spider-Man. Ça va se jouer entre toi et moi. Maintenant, ça devient intéressant. Il ne reste plus que nous. Et les nuages de poison. Bon, où je vais maintenant? J'ai pas d'autre option, on dirait. Un labo de recherche? Des hallucinogènes. Ça doit être ce qu'il y a de pire dans le poison de scorpion. Si Kraven intègre ça à son arsenal... Oh. Ils testaient leurs armes sur cette armure? Wow. Et il n'y a pas une seule éraflure? Une réplique presque exacte. J'imagine qu'il devait tester les points faibles. On n'est jamais trop prudent avec Scorpion. Attends une minute. Regardez-moi ça. Ouais, MJ. J'ai un nouveau nom pour toi. Kraven. Tout porte à croire que c'est le chef de la bombe. Et il organise une espèce de chasse. Kraven le chasseur. Il chasse quoi exactement? Je suis encore dans le flou. Scorpion et Lee sont impliqués. Tu peux te renseigner sur ce Kraven en attendant? Et mettre Miles au courant? Je m'en occupe. Fais attention à toi. Va falloir qu'on allume encore combien de feux dans la ville? Autant qu'il le faudra. Kraven dit qu'il y en a partout dans son rêve. Mais si son rêve est prémonitoire... Ça veut dire que les feux seront là, quoi qu'il arrive. Pourquoi on se donne autant de mal? C'est lui qui décide d'allumer les feux, pas le destin. Alors comme ça, il paraît que Scorpion t'a pas impressionné? C'est pas que ça m'a pas impressionné. Mais... recourir à des hallucinogènes et jouer avec sa proie, c'est pas comme ça que je chasse. En revanche, je reconnais qu'il avait quand même un certain talent. Justement, est-ce que t'as regardé la composition du poison? Un cocktail de malade. Gargan s'est sûrement fait assister. Peut-être, mais je l'ai jamais trop considéré
comme un fin stratège. Et il m'a surprise. Ça m'a fait la même chose. Il était peut-être pas si mauvais, finalement. J'avais peur que lui soit complètement à bout de souffle, après avoir été enfermé aussi longtemps. Spider-Man, au-dessus de nous! Je peux pas rester là. Cible en vue. J'aimerais des réponses. Les questions, ça commence à bien faire. Ça semble prometteur. Alors, Kraven, dis-moi ce que tu cherches. Attends. Partir chasser avec Scorpion et Lee, je comprends. Mais Black Cat est une voleuse. Oh, je pige pas. Ah ! Tu
sais que les vilains chiens sont privés de grenades ? Ah ! Gentil, toutou, clébard, robot. Oh, sacrée dentition. Il faut que quelqu'un l'aide. À couvert. Bon, bah maintenant que vous êtes là, j'ai une question. Il chasse quoi, Kraven? Je peux peut-être l'aider. Je vais me sortir de là. Plus simple pour tout le monde si quelqu'un m'explique ce qui se passe ici. Kraven chasse ce que l'homme craint le plus. C'est tout ce que t'as à savoir, Larrier. Donc il chasse l'échec, l'intimité, les clowns. Oh oui, les clowns, c'est bien ça. Eh bah, bon débarras. Scorpion, Martin Lee, Black Cat. On dirait que ce Kraven met en place une équipe de choc. Ah!
tueur. Imagine l'ampleur de ma déception. Où êtes-vous? Terry, tu es prêt? Pourquoi? Vraiment? Mon invité va arriver et tu surfes encore sur le net. Maman, plus personne ne dit surfer sur le net. Tu peux t'habiller, s'il te plaît. Ok, ok. T'as mis ton super rouge à lèvres. Il te plaît vraiment, ce gars-là, hein? Miles? Excuse-moi, la prochaine fois, je te promets que... Miles. Je t'aime. J'ai des infos. J'ai trouvé une des bases des allumés du Safari. Des chasseurs, si je me rappelais. J'ai aussi appris le nom de leur chef, Craven. Il a tué Scorpion. Il a toute une liste de super vilains à éliminer. Hein? Quoi? Ça veut dire... Oui? Je sais pas. Mais cette liste est longue. Ça doit être les hommes dont Marco nous a parlé. Kraken, l'homme sable. C'est pas vrai. Et Felicia est sur leur liste aussi. Black Cat? Ton ex? Exactement. Elle n'écoutera pas si je lui dis qu'elle est en danger. Peut-être qu'elle écoutera quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Si MJ t'envoie quelques adresses, tu seras OK pour aller t'en occuper sur place? Pas de soucis. Merci. Sincèrement. Il faut que je me vide un peu la tête. Mais rappelle-moi s'il y a quoi que ce soit et... On va retrouver Lee, Miles. Je te le promets. Il me reste un peu de temps avant que MJ m'appelle. Il se passe quoi dans le quartier? Thank you.